Thank you.
Attention aux portes.
de facto dans les yeux sur la carte des plaisirs. Y'a toujours une connasse en galère sur les Champs-Élysées. T'as la sortie de quoi tu vis traumatisé. Parfois tu peux même qui sait que tu vois tout payer. Thank you.
rapide, c'est Samuel, hein, votre envoyé. Ouais, moi je pourrais aussi, bravo Garou, bravo à cette petite équipe, parce que juste pour faire remarquer, je sais pas s'il est d'accord avec moi, avant cette Coupe d'Afrique, on avait pas mal de détracteurs qui disaient oui, il n'y a pas les favoris comme le Cameroun, l'Égypte, ça va être une. On a déjà des équipes comme le Maroc, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal qui vont la remporter, enfin voilà. Donc quelque part, c'est vraiment un moment qu'on a une super CAN au final. Hein. On a une super CAN avec des outsiders comme le Gabon, comme. Allô ? Des retombées qui se font attendre pour la rue, pour les gens de la rue de Libreville. Oui, je me suis demandé en tout cas cette semaine si cette Coupe d'Afrique allait en profiter vraiment aux Gabonais. Alors pour aller vérifier un peu, j'ai été dans un petit marché, des légumes, dans un quartier populaire à Libreville, et tous étaient d'accord sur ce point-là. Il n'y en a pas plus de clients, il n'y en a pas plus de monde, pas plus de touristes. Certains disent même qu'il y a beaucoup de monde qu'au début de l'année, Ah, okay. La gare.